Vendredi soir, 23h. Comme toutes les semaines, ils sont nombreux à laisser derrière eux costumes, cravates, révisions, charentaises et autres tirlipipi pour investir les rues, les bars, mais aussi les appartements aux grandes dames du voisinage. Roger, 52 ans, vit dans un petit appartement situé au centre-ville de Metz. Célibataire sans emploi, il aime particulièrement la saucisse et tous les jeux de société qui peuvent se jouer seuls, comme par exemple les puzzles ou le docteur Maboule. Comme chaque vendredi, ses plans vont être mis à mal par ses jeunes voisins, les petits Vincent et le petit Arnahuld. Bah vous voyez là, comme chaque vendredi, bah mes plans ils sont mis à mal par mes jeunes cons, là, les jeunes voisins, là, le petit Vincent et le petit Arnaud, là, les petits cons avec leur bande de dégénérés. Non mais écoute un peu. Non mais c'est toujours le même tohu-bohu. J'ai bien essayé de descendre, hein. Mais la dernière fois, il y en a un qui m'a montré son sexe. Ah, son pénis. Enfin sa bite quoi. Il a même essayé de me la mettre dans la poche. Dans la poche. Mais la bite. Dans la poche. Dans la poche, je vous dis. Pas gêné le mec. Il me la met dans la poche. Ouais. Et par-dessus le marché, c'était un peignoir tout neuf. Pour nous. Il retente l'expérience. Bon, c'est pas fini, parce que c'est... Thank you.
que je